Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mobad Media nan la, depuis Mobad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mobad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mobad Media nan la. Bien nous va pas perdre de temps. N'a commencé. Cool yeah. Kid de l'opposition à Jovenel Moïse, l'opposition politique. Je vous dis, l'opposition a eu un succès parce que vous avez relé pour une manifestation faite dans tout le pays. Jour qui était supposé 18 novembre. Non. Mais pour l'autre observateur qui a avisé, et surtout pour la majorité de la presse, il y a des gens qui pensaient que l'opposition a jeune cassé là. La ponti temps avant pour monsieur yo aller l'hôpital général pour y aller faire penser zèle yo qui cassé suivant certains dire naturellement mon habitué observer opposition en Haïti côté au arrivé l'autre pays pendant des jours. En pile cassure de qu'on fait la manifestation, yo, semblait que police là, qu'on y a, vin aguerri à ce point que li kon exactement côté pour manifestation commencer, côté priorité. Chaque manifestation que qu'on fait, c'est que machine boulée, magasin cassé, chaîne perdue, téléphone même c'est pas parlé. Donc ça veut dire que manifestation, c'est un programme pour l'OPEM, non? Parce que l'aile descend dans la rue, il fait loi le blé. Et l'opposition a toujours blâmé le gouvernement pour genre de cassure, ça a été fait là. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de responsabilité. On peut dire oui, il y a une cassure, on a essayé de monter un système de sécurité qui pour capable empêcher trop de cassure. Mais semblait que l'opposition était pour un plaisir, monsieur qui était radical pour un plaisir, donc on adorait les têtes militants, pour le prendre la rue parce que c'est ça, grand pile nek qui fait recette. Naturellement, il y a l'autre monde qui fait recette, surtout dans l'affaire kidnapping. L'on remarque à chaque kidnapping qui fait, si ce n'est pas 1 million de demandés, il y a 500 000, naturellement, le pays d'Haïti n'a pas fait dollars. C'est diaspora qui paye pour casser. À chaque kidnapping qui fait, ou grand pile monde c'est vers diaspora, gagne le même c'est monde qui bandi yo même qui relé famille monde qui dans diaspora fait ou soit fait mon yo relé a crier dit sauver yo. Donc son tactique que monsieur autorité yo connait avec sa fait sim que a régularisé, il capable plus facile pour yo. Pour yon capable de repérer téléphone nan, côté coup de téléphone nan fait, et yon capable de voyon commando dans la zone nan, al chercher wè qui possibilité de gagner. De plus, la police la gen drone. Et pendant que drone n'y a fait patrouille, yon gen droit repérer justement côté signal la psouti, yon zéro insouli, et le sa, yon voye quelques patrouilles à pied, vin correspond avec nek ka fè des zones sa yo. Des zones sa vin généralisé côté que même moun ki pa tan kidnapping pense que son façon pou yo fon kòb. Du moment qu'on joine un bon boulet, un bon mal poule ko kidnappé, ou gen doit négocier avec conseiller de l'autre gotoutou ki gen doit prendre nan bon moulin pour mandé et puis yo même y aller fè kòb pa yo. Naturellement, kidnapping pas jamais bon pour pays parce que l'a cherché où était en série de cops dans mon monde qui pourra l'amener en série de bandits qui parfois comme ça allait arriver, il gagne doit serrer dans canari, il pas aider pays là. Il capable aider seulement monde qui fait kidnapping non et monde qui chita yo même qui prend plaisir parfois non seulement yo prend l'argent dans mes monde
mais encore yo touye moun yo tout. Le cas que demoiselle qui fait touye là, le cas de Jacques Roche tout que nous connaît que yo te touye Jean Sophie Patra. Et bien avant ça tout, te grand dame qui tapta un hôtel qui te font petit avec un blanc, petite dame ça te kidnappé. Ça veut dire kidnapping nan pas bon du tout pour pays a. Parce que y a cherché où était en série de l'argent dans mon série de monde ou sur ap chercher appauvri diaspora, c'est sûr que y a pas appauvri. Opposition yo dit que qui te prend du poil de la bête côté grand époque depuis ou frappe pied à terre, yo venon série de monde qui prend la rue pour yo, mais qu'on y a assemblé monde qui t'a parlé de qui te appuyer sous barricade yo, barricade c'est avenue yo. Monsieur ça qu'on y a gèlè manqué gasoline dans moteur yo. Parce que en pleine manifestation te kon pran yo pa pran encore justement et qu'on y a conseiller de monde qui puis nous remarquer que opposition c'est plus c'est tracas douleur l'a créé, c'est plus mort que l'a fait, c'est plus regret que l'a mettre dans société a. Donc gen moun qui non seulement font camper sous kidnapping nan, mais encore tout là yo mande l'argent. L'agent ça au bail yo gen doit numéroter numéro l'agent gen doit faut suivre qui est cap dépenser ou aller dans quoi bossal ou aller marcher en bas ou aller la banque yo ou gen doit identifier qui moun qui vient déposer l'agent. C'est ça fait grand pile dans l'agent ça yo pas déposer parce que depuis l'agent en circulation yo gen doit faire suite sous lui pour joindre qui est qui vient déposer, qui est cap dépenser. Actuellement, les nègres là, ils font kidnapping. Et puis, ils ont l'argent dans la main. Ils ne prennent pas le temps comme d'Adochita pour ne pas dépenser. Mais, et façon que le capable faire, c'est distribuer le plus largement possible pour capable, justement, brouiller les pistes. Opposition perdue du poil de la bête. Ça veut dire, je vous dis, gon série de bon cap dit que opposition a expiré. Des hommes tankou Nenel Cassis, des hommes tankou André Michel expiré, des hommes tankou Beauplan expiré, des hommes tankou Youri la Tortue expiré. Donc c'est ça qu'a parlé dans la rue côté yo besoin yon nouvelle opposition de nouveaux Turcs justement et gon série de militants justement qui déclarait carrément que yo pa vle que et c'est moun faire un pour yo justement que c'est eux même qui pral faire tout mouvement yo pour kont yo sans ou pas besoin leader. Nous t'a parlé de l'opposition haïtienne comme telle, est-ce que l'ICA reprend chaleur, mobilisation que l'été gagné dans les mois qui sont passés. Est-ce que Zelle n'est pas cassé justement quand on prend les cap dit? Est-ce que le conseil de leader qu'on y a, il a pas expiré? Ça veut dire que il est bon justement pour panier baronin. On va le dire en façon. Est-ce que c'est pas bon pour jouer domino? Est-ce que monsieur dame ça capable de prendre confiance population côté autant voyer moun l'autre pays fait mon al prendre gaz lacrymogène? Alors qui t'aime dit vous avez gaz lacrymogène? Non, il pas sans effet hein. Le par exemple bon gaz lacrymogène qui voyer et puis gain vent bon voyer li 40 de monde qui pas même dans manifestation et gaz ça quoi me soulever son femme enceinte l'a fait faire sous lui. Est-ce que période de bay gaz lacrymogène ça, ti moun ki pral fèt yo, nou pral gon génération de Coco B, Coco A, Coco C, relé le jonglé, on série de ti moun ki pral dommager? Est-ce que gon série de moun kon y a, situation yo te gen problème ba konnen respiratoire? Est-ce que moun sa yo pa dommager à jamais? Et qui type de gaz yo voye bay ba nou? Yo di gaz lacrymogène, ça veut dire qui fait pleurer, gaz qui fait depuis le printemps jour, la pète l'eau courijo, courijo.
et définitivement la mettre mal à l'aise. Remède pour gaz lacrymogène, dans l'époque, c'était de l'eau citron. Vous êtes avec de l'eau, j'étais à citron dans des poches ou, bouteille de l'eau dans des poches ou, donc on va l'en à, aller dans. Dans l'autre pays, et leur opposition à Gencob, ils distribuaient des masques à gaz. On s'est de masques, l'homme était là, même si on boit gaz, on va pas sentir ça. On va passer. Mais l'opposition, nous, en janvier là, l'agent conseil de nez qui n'a des poches qu'on y a, papa le dépenser. Pour les militants, masque, pour capable braver gaz lacrymogène dans la ria. Et gagne l'heure, monsieur, pas braver gaz seulement, il tire tout. Il tire, en caoutchouc. Côté citron avec de l'eau, capable de combattre gaz lacrymogène, ça fait, le par exemple, un bel bal en caoutchouc, il y a tout même. Ok? L'essentiel, c'est que, le, que, ou à mettre monde dehors pour faire manifestation, force outil à des fins utiles, dans le sens, pour capable, si mon n'a pas en prison, faut gagner l'argent pour aller payer belle pour lui, caution, il est là, pour lui, pour capable de soutir, faut capable gagner avocat qui décide, bah, tant il va aller un peu mon en prison, justement, faut capable en quelque sorte, gérer, et éléments policiers, cap saut dehors, pour faire papier légal, justement, pour pas bail problème, que n'est qu'à bon raison pour au bon gaz, si c'est ça seulement. Mais ces derniers temps, semblé papier par papier, de pour arriver à un certain hauteur de manifestation, yo, ouais, que, bah, yo capable d'enflammer, yo campé, manifestation. Si yo pas campé la gaz, yo campé la l'autre moyen. Et moyen ça yo pas nécessairement moyen qui bon pour la santé. Donc l'homme met monde dehors pour capable prendre responsabilité, pour pas dire que c'est la police qui est responsable du moment que c'est eux même qui t'a prend permis. Pour soirer les monde, faire menace, tant comme dans des beaux plans te faire connait que mettez l'huile dans monde. Bon bah ça yo au moins beau plan d'a fait pour la prison, je veux dire. Hein? Non, parce que sont ça criminel. Que ou causé et m'tande monsieur dans radio a baronin et gagoté capable de déconner qui t'a mais dit la dégobié que alors que placé dans prison et l'autre monde qui t'est paraître dans palma avec poupou bavine non extrait poupou que qui t'est capable faire mon pile monde malade jusqu'à présent c'est poison violent qui a gagoté sous monde toujours mon homme yo les donne cato t'a fait pour dans prison. Justement, parce que dans anal histoire, bah qu'on est parlement, dans le monde entier, bon j'entends des nègres entrer avec poupou, justement pour que et faire pour en passer. Qu'on y a que situation étant telle, Jovenel Moïse à chaque fois que l'opposition font erreur, c'est l'opposition échoué, ils font erreur et c'est Jovenel qui prend force. À chaque fois on balle force. C'est laisse ça la marcher sous et qui t'aime dit loi dans politique là c'est que si on manque on nègre pas fait pour rater nègre soit pas agir contre adversaire contre ennemi ou pas fait pour rater le roi dans politique là dit depuis nègre raté ou pas prendre c'est logique qu'on y a journée jodi a gagne qui t'a dit journal mettez quand son en taille ou mettez ces garçons yé et si travail ça là qu'on y a grand pile nèg qui te dit ça qu'on y a plein monsieur peut-être paraît trop garçon parce que monsieur qui te banane autant de que monsieur c'est melon le gain melon nèg gain melon ça veut dire qu'on grand pile graine graine melon définitivement et gain gros melon tout nèg gain des nèg qui et c'est gros l'âme véritable gain c'est calmas yo gain mais je ne vous dis pas c'est normal. Nous ratons nèg là, après qu'on y a, faut rouler nous en bas chaplet, depuis que je vois une chaplet pour rouler nous avec lui. Donc, gagne qui peut assez honte, on dit que la honte est révolutionnaire, gagne qui peut assez honte, puis on est échoué, puis on fait un bac poussé, on l'autre série de monde devant maintenant, dans le porte drapeau, pour aller porter la bannière. Donc, on pas besoin de ça. Parce que, gagne plus le monde qui dit, monsieur Sayo, c'est, le, ce sont des péchés en notre groupe. C'est les bagarres la picosse. Les gens dans la rue, c'est les saoules, les fait comme.
Et nous connaissons que, bon, hey, c'est pas un secret pour personne, que le conseil de nek qui fâché à cause d'un de mesures que Jovenel Moïse prenait contre eux, qui sont des voleurs impénitents, justement, et M. Sayo a financé une série de mouvements qui pour créer la trouble dans le pays. Sûr. L'autre côté dans sa proposition encore, c'est que l'opposition pas unie, il pas uniforme. Et l'autre des capable de cacosal qu'a fait entre une équipe avec un autre côté, on est comme Moïse Jean-Charles traité nèg de voleur, de vicieux. OK? Il volait, capable de voler vrai. Il y a des fait comme yo, et puis à partir de comme là, il y a des financements de bagaille. Mais il financer des autres. Il n'y a pas financé à l'Alpante et Bibois. Il n'y a pas financé et bâti l'école. Et Jovenel lui-même, pendant qu'il a mobilisé contre lui, il a construit route. Il a construit l'aéroport. Même si il est là, il a fait barre quand même. Il a cherché, mettre de l'eau pour vous échader. Donc, il a parlé plus pour lui que si, par exemple, il t'a qu'un bénégo mette en prison. Et nous même tout, dans l'opposition, montrer que nous sommes capables de planter bois. Ouais. Montrer que nous sommes créer job. Et nous sommes capables de financer nous, faire créer job. Comprenez? Montrer que nous sommes capables de bateau pèlerin nous pour aller dans l'autre pays, pour demander aide, surtout aux nègres qui sont dans gauche. Ok? Et non, social chrétien, yo. Demander aide dans l'autre pays. Nous même qu'on capable de faire bagay, puis où est-ce que nous faisons bagay? Là, le tapis bon pour nous, que nous fait pays lock, à le craser, briser dans la manifestation, bon tout, parce que moi-même, je dégonne faire ma manifestation. Et je dégonne le résultat de la manifestation. Mais, pas où est que le résultat, pas là, il n'est pas qu'à venir, et pour adopter, on sait de l'autre méthode. Donc, pour qui pensait que l'opposition panne de tactique et de stratégie, ce sont toujours les mêmes rengaines, regardez, on est dans le baron et André Michel. C'est même pas la répéter tout le temps. Il n'est pas nouveau. On est fatigué de tout le bail. On a répété. Oui, il y a des prison. Il y a un massacre ici. Il y a un massacre l'autre bord. On entendait ça. Ça veut dire que il y a une panne de vocabulaire. Il faut le dire. Il y a une panne de vocabulaire. Il y a une panne de comme ça de presque toute bagarre qui est capable de vraiment mobiliser le monde. Surtout soit mobilisé à longue échéance comme ça là. Donc, ça peut être fait, et nèg peut être fait en bac, pour si on serait de nouveaux Turcs, on serait de nouveaux visages que le monde ne connaît, parlons l'autre qualité d'un gaz qui est capable de mobiliser le monde, parce que ça qui est là, pas qu'à mobiliser encore. En d'autres termes, André Michel, vous expirez. Beauplan, vous expirez. Et nèg assez, vous expirez. Don Cato, vous expirez. Ça veut dire son marchandise qui méritait qu'on y ait, aller en l'autre côté. Allez. Si c'est un comme d'ado, qu'on s'assangre, ou alpha avec machin dit ça, alpha engrais. Peut-être laisse ça, nous capables de faire plus bien, justement. Parce que dans l'état, nous viendrons là, nous dans l'état de putréfraction. Ça veut dire une bourrie. C'est un comme d'ado, on banane, qui vient dans le point de bourrie. Pas grand-chose qu'on capable de faire avec l'encore, c'est jeter l'envoi aller, ou sinon la gueule. À mon qui est capable de ramasser le pot. Ou soit chercher faire un gras avec. Nous, elle a sorti que, il dit que, et ben là va bon. Bon, quel côté de dos comme ça que. Et Yves Jean-Bar, nègre dit qu'on a pris Timonio dans affaire football là. Gain de l'œil, qu'on fait Timonio coucher à mon pour le point comme là, sexe, etc. Bagaille, ça voilà. Si mesdames qui disent qu'on a pris football, gain de l'œil, vous mettez au visa, vous faites au parti, et que c'est dans plusieurs autres pays. Pour qu'à partir, il faut qu'à bye. Qui est Bobby, Vini. Il a dit non, ça y est, bye. Et nous allons te répéter déjà, parce que le professeur Sully est paré avec lui. Côté que vous avez fait visa ça, conseil de tout le monde. Puis qu'à partir, même si vous ne jouez pas au football, puis qu'à partir, vous obligez de venir là, puis qu'à partir, vous avez un visa. Parce que vous avez un visa sans coquin de chaîne bagaille. Et dans le pays, il y a des gens qui. Bon. Capable de dire, bon visa, grand pile, bah, capable de faire, c'est parti, bout en bas, pas tabac. Parce que grand pile, mon qui. Bon visa, et par contre, qui ça, il est capable de faire. Et là, il dit ça, je dis, même boîte 4 en vente,
Si mat la oui. bon, après monsieur Fantôme 509 yo qui prend la rue et yo classifié comme terroriste, non seulement boucher machine l'état, ou boule machine pour joindre. Yo dit c'est Fantôme yo. Yo voulait pour gagner 75 000 gouttes de salaire. 75 000 gouttes, 75 000 dollars. Par contre, 75 000 gouttes. Et puis yo besoin 4 en plus de 25 000 gouttes. Avec 5 000 gouttes. Bon, les gens qui disent que c'est privé, parce que payer à bagage comme ça pour le payer, même médecin, même infirmier. Puis tu as fait comme ça, puis tu as monsieur policier. Bon, il y a la police qui a été fait back. Mais on dit que tu as un échauffeur qui a été fait dans la zone Pétionville, dans la route qui peut mener un bocal président, mais je suis venu passer. Et commandant qui est là, on s'est terminé, on dit que tu as stoppé les gens. Et monsieur, je vais en promotion tout. Tout information ça vient un peu plus tard. Right? Bon, on a quitté les pour n'est-ce qu'il y a. Quittez-nous, démenti une information qui courait en contraîné de poudre. On a des rumeurs persistantes, des rumeurs pour le moins persistantes, qui ont fait état que Pelé mourit, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pelé va gagner un journal médiatique. Qui fait connaître que Pelé va gagner. Alors, de son Mendy, Edson Arantes Dona Simende, dit Pelé, Aïsada dit alias Pelé, vrai nom monsieur c'est pas Pelé, mais vrai nom monsieur c'est Edson Arantes Dona Simende. Il y a monde qui dit Dona Simende, c'est Dona Simende. Mais monsieur pas mouru, monsieur qui a 80 ans, selon les dernières informations que j'ai, monsieur qui a 80 ans, et monsieur t'a joué d'abord dans le club brésilien qui était les Santos, avant de traverser à l'Ambotafogo. Alors, Pelé n'a pas gagné, alors c'est le joueur le plus capé, déjà, monsieur prend 3 Coupes du Monde, de son vivant. Alors, monsieur prend 3 Coupes du Monde, et pendant carrière li, et puis M. Vinal fini carrière li dans New York Cosmos à New York, et M. Teguin dans le club ça, et on pérusien du nom de Théophile Courbillas. Et nous devons ici tout cabrio dans le club ça, c'était Willem Lazer, si mémoire pas fait de. En tout cas, Pelé n'est pas mort, c'est une rumeur. Selon information, non, parce que nous allons sous ça pour nous informer, Pelé n'est pas mort. Selon ça, que des informations, lui-même, Kata connaît. Alors, qui sait que nous venons avec bonne information face à ça? La bonne information, c'est quoi? Le président de la fédération ASM de football, mis à l'écart, depuis un certain temps, depuis 6 mois déjà, par la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, on a parlé de Yves Jean-Marc, alias Tavini Voisa, même j'ai dû appeler, Dadou Jean-Marc. Alors, qui t'a dit Dadou à côté de Souti? Alors, l'information, c'est quoi? Le président Jean-Marc est banni du monde du sport. Ah, ici du sport. Allez, FIFA, mettez monsieur dehors, les monsieur paf, doué ouvrir bouche ni rentrer école, dans aucune activité qui ait rapport avec sport. C'est ça l'information. Mais un peu le monde peut-être pas connaître qui m'a d'Adou à Soti. Alors, vraiment monsieur, c'est Yves Jean-Bar, c'est un médecin de formation. Monsieur est formé à la faculté de médecine d'Haïti, et puis monsieur est allé pour une spécialisation en Argentine. Alors, dans nous, tout ce monde qui parlait plusieurs langues, monsieur parlait français bien et monsieur parlait parole bien, dans nous parlait plusieurs langues, monsieur parlait portugais tout, et dans mon même si monsieur va même parler allemand, tout, parce que monsieur parlait en pile langue. Maintenant, le cas qu'on a dans nous a sorti. Dans nous sorti parce que papa monsieur, dans l'époque là, pas connaît si monsieur était intéressé à sport. Et papa monsieur c'est un monde qui était extrêmement sévère. Et monsieur
très jeune, il a commencé à écrire dans les colonnes du journal Le Nouveliste, pas le journal Le Nouveliste, au journal qui prend naissance, si je m'abuse, en 1898. C'est son journal qui était presque près de deux siècles. Alors, journal Le Nouveliste, c'est une institution qui est ancienne, qui est en Haïti, et puis, nous parlons pour institution ancienne, tout qui est glissé, c'est pas un beaucoup, géré par les caractères. Alors, deux institutions, ça y est, ils vieillent, c'est-à-dire, ils sont là, depuis longtemps. Alors, dans nous, qui t'aimes écrit, qui t'aimes sport, tu as la chronique sportive, mais à cause de papa Michel Bascadé affiché, et M. Paco Kaler, surtout. Je te connais écrit, et chaque salle s'est écrit, la potée de la nouveliste, le salle s'y est à nous en balle. Ton bagarre, ton texte avait gagné en signature, M. s'y est à nous en balle. Et ça devrait un peu de temps avant papa M. connaît, c'était lui-même qui était connu écrit, c'est pas le nouvel sport, la nouveliste. Alors, ça sont des parenthèses que nous connaissons, nous partageons avant, parce que l'on vient dans l'université Limla, pour en connaître. En tout cas, c'est mieux que ça, et il y a mardi d'Adou. Il a été banni par la FIFA, la décision est sortie et la FIFA a trouvé que monsieur est coupable. La FIFA a banni monsieur, il mettait monsieur à l'écart, il était un temps plus souple, et bien qu'on son côté, bah, ça va pour vous encore. Alors Dadou a été mis à l'écart, banni de toute activité sportive, selon l'information que nous avons. Et dernière information, on fait connaître que Dadou veut aller en appel, c'est-à-dire monsieur, pour aller en appel pour capable mater ou bien casser. Est-ce que c'est un coup de cassation pour aller ou bien devant un coup d'appel? Nous va connaître, mais monsieur dit pour aller en appel, pour dire que Dadou est un avocat qui veut représenter lui et en France et en Suisse. Par contre, qui genre, il va faire ça, mais il dit qu'il ira en appel. Alors, contrairement avec quelques rumeurs qui disent qu'il a été blanchi par la justice haïtienne, on n'en est pas encore là. Le président Jean-Marie a été entendu effectivement par le commissaire du gouvernement près du tribunal civil de la Croix-des-Bouquets. Il a été entendu, certes, mais l'histoire fait son cours. L'histoire continue, l'histoire fait son cours. Aucune décision de justice n'a été prise jusque-là à l'encontre de l'ex, donc à considérer le conseil là, président de la Fédération haïtienne. Nous voulons parler du docteur Jamba. Alors, c'était les maîtres informations, les informations clés que nous avons pour nous partager avant. Vous remarquez que nous prenons pour nous partager là-dedans en début. Et de rubrique là, dans le début du journal, une façon pour que vous puissiez rater une meilleure information. Alors, d'abord, c'est pour nous dire que Haïti, tout le championnat national de première division, s'est arrêté momentanément parce qu'on a estimé qu'il y avait trop de matchs en retard. Et pour mettre les choses au diapason, pour mettre Mario pour équilibre, il est obligé de cramper le championnat qui arrive sur la 12e journée pour déjouer match en retard. Match en retard, il y a des résultats tant qu'à Akaye qui pourra bien marcher sur le plan régional. Et type América de Cala, équipe América de Cala, Calé à Akaye de Gola, comme si les matchs ont été programmés à plusieurs reprises. Mais toujours est-il d'âme puisse mêler de la partie, eh bien, au cas là, l'un des gars est toujours impraticable. Match n'a pas qu'à jouer, mais match a réussi à jouer. Et l'équipe Akaye a tombé devant l'équipe Cayenne, América de Cayenne, qui Calil de Gola 1. Quand l'autre match n'a pas qu'à jouer, tout qui jouait, l'équipe Tempête de Samac là, les Calé dans le Moscou de Pétionville, sur le score de 2-1, le Racing Club haïtien, les mêmes tous les calés, Cosmopolite de Delma, sur le score de 2-1. Avançons avec toujours les informations. Nous pouvons aller là pour nous dire que gagner deux matchs qui étaient joués et dans le cadre de la Ligue des Nations, gagner l'Allemagne qui était calée. Oui, l'Allemagne qui était calée l'Ukraine sur le score de 3-1. Alors, on dit que
information ça est passé, c'était dans presque dans début semaine là. Et puis nous avons joindre que l'équipe allemande ça dans des places à nombre de fans allemands se trouvant en Floride, ou bien parce que pas Floride seulement il y a des informations, parce que c'est une équipe qui était en pile fanatique, mais bon dit que fanatique équipe allemande ça un petit peu disparate, ils ont dispersé parce que l'Allemagne n'est plus ce qu'elle était. Longtemps, on a parlé de plein allemand dans le football, l'autre, ouais, c'est de couleurs garçons, des mecs qui ont dans le football, et puis des mecs qui fait techniquement contre le football, et puis ils n'ont pas câblé M. Sahar, et M. Théo, mais qui était jamais fait goal. Le bout dans les M. Fégol, l'autre dit ah, c'est acteur de veille, M. Théo, Oliver Biwaf. Monsieur, c'est un spécialiste de but de la tête. En tout cas, l'Allemagne, le premier match, il était calé à l'Ukraine 3-1. Et puis, nous avons l'Espagne qui était calé la Suisse, qui était mature avec la Suisse. L'Espagne était mature avec la Suisse, on voit partout. Mais surtout avec Yon Ramos, capitaine du Real Madrid, très maladroit. Parce que comment comprendre nos matchs au football, l'Espagne a gagné deux pénaltys et puis Ramos a raté tous les deux. Et jusqu'à ce que la Suisse menait au score par un goal à zéro et que l'Allemagne là, il venait presque dans les arrêts de jeu de la seconde période, match presque fini. Et puis, bon, c'était Moreno qui marquait goal égalisation pour l'équipe allemande. Là, match a fini, il y a un goal partout. Et puis, nous dit que gagner Sergio Ramos, monsieur était très très critiqué parce que monsieur était raté deux pénalties dans le match, mais l'équipe espagnole à la denture, l'équipe espagnole à la vie dure, l'équipe espagnole s'est reprise dans le dernier match contre l'Allemagne, mais bah, l'Allemagne est une véritable déculottée pour le plaisir des fans du Brésil. Nous sommes j'ai sacré passé en 2014. Vous connaissez quelqu'un qui va faire même retourner sur l'information ça. En 2014, lors de la Coupe du Monde de football au Brésil, Brésil était infligé. L'Allemagne était infligé. Une cinglante défaite à l'équipe brésilienne. Laissa Brésil était calé. Et laissa l'Allemagne était calé Brésil 7 goals à 1. Mais en tout cas, quelqu'un qui dit. C'est fanatiquement Barcelone qui est content, puisque Bayern le Munich qui sont équipe allemande se passe Barça là 8 goals à 2, ça a pour combien de 2 mois, et fois ça, et c'est l'Espagne qui prend le revanche pour Barcelone, côté que l'Espagne calé l'Allemagne, qui l'aurait cru, qui l'aurait dit, qui lui cru 6 goals à 0. Que l'équipe allemande ça. En tout cas, aïe aïe aïe, personne ne va pas avec ça. L'Espagne, Cali, l'Allemagne, 6 goals à 0. C'est le football. Football là, les 3 résultats là-dedans, les gars ont des surprises là-dedans et tout. Ce n'est pas de travail. Et pour plus glisser, c'est adversaire en maillot, adversaire en maillot. De même que nous avons une équipe portugaise qui élimine et tout. Puisque la France était calé Portugal, un goal à 0, et la France tout profité que calé Portugal, le Cristiano Ronaldo, la France tout qualifié. Mais il faut que nous disions que Cristiano Ronaldo passe le match contre la France, mais le début du dernier match là, et Michel Baton record tout. Cristiano Ronaldo, il m'a acquis 101 goals pour l'équipe portugaise. Alors que mon dirait plus que ça, c'est un certain Deli Dahi. Deli Dahi, lui-même qui marquait 107 goals. Tout porte à croire que Cristiano Ronaldo qui doit battre encore ça, puisque c'est seulement 6 goals qui séparent eux. Ali Dahi a pas vu le football longtemps ça, mais moi-même, ou pas même mon monde comme ça, m'a besoin de dire. Si mon cabine là, pour même bien l'être sur dans l'air, car t'en est parlé de Deli Ali Dahi, ça. Mais Cristiano Ronaldo, monsieur, vous comprenez, vous êtes là sur le plan international, et monsieur a seulement moins 6 goals par rapport à mon qui fait mieux passer le lac, qui fait 7 goals, tout le monde pensait que monsieur, il a premièrement égalé
Ali Daï, même Jean-Tour, il est capable de passer de ça. En tout cas, c'est la tout club culturel ou attendez et obligé de gagner information. Ça, non. Nous avons parlé de Sergio Ramos. Monsieur, information fait qu'on est que monsieur, c'est un joueur espagnol qui picaté. C'est-à-dire, c'est lui-même qui joue plus pour l'équipe espagnole à l'heure actuelle. Monsieur jouait pour l'équipe espagnole là pendant 177 fois. C'est-à-dire, monsieur mettait maillot et espagnol en sous lui pendant 177 fois. Alors là, on dit qui boit information, ça va, je veux ni si c'est pas là. Qui boit pas une information, ça va, si c'est pas là, on va plus jeune. Et puis, il y a Italie, tout est qualifié, Italie, la Pologne, semaine ça, 2-0 dans la Ligue des Nations. Et puis, autre résultat, la Belgique, calé l'Angleterre, tout, un peu mon estimé son surprise, mais la Belgique, qui était une équipe pimpante, en retour de forme, puisque la dernière Coupe du Monde, là, était faite en France, équipe en 2018, l'équipe belge a démontré ça, d'autant que les gros attaquants là sont noirs, mais costaud, le costaud, Oui, alors, excusez-nous pour cette brève coupure, indépendamment de notre volonté. Et vous savez que ceci fait partie des aléas, les aléas du direct. Dans les aléas du direct, tout peut arriver. Alors, je disais que la Belgique s'est qualifiée et la Belgique a gagné un match là, mais avec vraiment un étincelant, Romero Lukaku. Monsieur, ça a craché dessus tellement. En Italie, tellement monsieur a fait goal et monsieur utile un pile équipe belge et monsieur est vraiment au gain de forme. Et on a dit qu'à un certain moment, monsieur déblague dans Barcelone. Barcelone a dit côté le aller avec le footballeur qui arrive ça. Mais de plus en plus, monsieur a fait démentir ses détracteurs. Monsieur montre que le football là, c'est avec deux pieds à jouer, avec bon mental. Monsieur a fait une très belle saison là. Monsieur n'a pas joué. Monsieur n'a pas joué dans Manchester United. Parce qu'on qualité joyeux, on va ni, et puis qu'on y a, monsieur éclaté dans ce tout le monde. Et bien pour ça, même si, et monsieur s'est obligé, monsieur encore pas de gagner, parce que monsieur est vraiment un regain de forme. Nous avons parlé de super coupe. D'Espagne, qui est pour le fait dans le mois de janvier, cabinet là, Fondin Pierrot a coordonné avec les dirigeants saoudiens, première édition de cette année dernière, deuxième édition, lui-même tout va réunir quatre équipes dans la cour Arabie Saoudite, et Fondin que dirigeant espagnol, il n'y a pas rien carré au compte de l'argent, c'est où m'arrête l'argent, et est-ce qu'on m'arrête à pas trop petit? Tellement le barreau d'argent pour que la compétition s'accabine jouer, malgré le coronavirus, et que bah hésitons une seconde, il y a quelqu'un à annoncer date côté que Super Coupe d'Espagne là, il va le faire dans la cour à Rissaou. Et qui vient nous dire que on a parlé tout de la Coupe d'Europe des Nations et édition 2020 est capable d'envoyer toujours à cause coronavirus là, les dirigeants de l'UEFA se posent la question à savoir. Est-ce que faut que maintenir comme édition hein, par rapport au déferlement, par rapport à la recrudescence des cas de coronavirus en Europe, étant donné qu'il y a un seul pays, mais jusque-là, il y a la Russie qui propose d'établir pour la recevoir en compétition. En tout cas, on dit que c'est un dossier à l'étude et ne pas prévoquer par informo sur qui ça définitivement qui a. Notamment du tout, Italie s'est calé la Bosnie-Herzégovine 2-0 et la Suède s'est calé Danemark, la Suède s'est calé Danemark 4-2 dans le cadre d'un série de matchs établi pour la Ligue des Nations. Au niveau de première équipe ça a occupé jouer dans la dernière journée, nous gagnons la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est quantité d'équipes qui étaient jouées. La France pour dernier match, lui, après la France gagne Portugal dans le dernier match, la France calé la Suède 4-2, c'est quelques matchs qui étaient joués dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des Nations au niveau de l'Europe. Et
puis, nous revenons sur ce résultat. L'Espagne avait battu l'Allemagne sur le score de le score sans appel, le score de tennis, sur le score de 6 buts à 0. Et l'Italie avait battu la Bosnie-Herzégovine sur le score de 2 buts à 0. La Hollande avait battu la Pologne sur le score de 2 buts à 1. C'est quelques résultats que nous-mêmes nous partageons avec vous dans Radio Club Culturel. Et on avait également joué pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de l'Am Sud. On parlait de l'Am Sud, on parlait du Sud, qui a été très éprouvé. L'Amérique du Sud, tout comme l'Amérique centrale, a été très éprouvée cette semaine avec l'ouragan qui était passé. Hein. On peut voir encore les images assez tristes côté que l'ouragan fait un pile de dégâts qui était retrouvé avec l'Union tempête tropicale. Mais entre-temps, match de jouer quand même, parce que le Brésil avait battu l'Uruguay sur le score de 2 buts à 0. L'Uruguay qui avait joué sans Luis Suarez, qui avait été auparavant testé positif au coronavirus. Pour savoir, l'Argentine n'avait pas fait le détail en battant le Pérou sur le score de 2 buts à 0. La Colombie a été sévèrement battue chez elle, en plus, par l'Équateur qui calait 6 goals à 1. L'unique but colombien a été inscrit par James Udinso Rodriguez. Les deux se disent, les deux se valent. Et l'Équateur calé à la Colombie sur le score de 6 goals à 1. Nous en étions à championnat Am Sud, là, madame, monsieur. Et puis, le Jeunesse Athletic Club, Mfotimoto, en Haïti, en match en retard, Jeunesse calé à Akayen. Et fait match là avec Akayen, un goal partout. Et puis, Patrick Guérien, l'autre match. À cause de la pluie qui t'a tombé à n'a plus finir en Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.